Jadis, il y a eu un grand pays légendaire. C'est-à-dire la Is. Sous la direction de Thiers Jumel et les Sissons, cette grande utopie est une prospérité. Les terres se veillent un oiseau blessure, la perle noire, élevée de deux espèces de pouvoir mystérieux. Avec la magie, on pouvait faire des miracles. Avec le clair, on pouvait amplifier ce pouvoir mystique. Grâce à lui, on croyait que le voile de la Is durait une éternité. Ce gentleman, un désastre a frappé la Is. Beaucoup de monstres démoniaques sont apparus et ont commencé d'envoyer la Is. Les forces diaboliques ont ravagé la terre tout à coup. Et tous les habitants ont été accueillis dans le temple de Salomon. Il semble que c'est une fin du monde. Alors, c'est la perle noire qui a sauvé la Is de la reine. Car elle a sauvé le temple à l'air. Mais aussitôt après le soulagement visiteur, les diables ont construit une tour. Et beaucoup de monstres avec des ailes sont partis au sanctuaire. La Is se menaçait de tomber. Qui pire, un abandonnement temporaire est arrivé dans le temple de Salomon. Les déesses du mal, les symboles de la Is sont disparus. Dans une situation désespérée, les Sissons ont prié une résolution. Pour faire venir une équipe de recherche, ils ont fait une sélection parmi les chevaliers et les sorciers. Enfin, les saints les ont envoyés à la terre dévastée.
Thank you.